Voiture électrique à 100 euros par mois dès novembre, réservée aux autos Made in Europe. Ah bah dans un mois et demi du coup, même moins. Un peu plus d'un mois quoi. Si ce dispositif complexe tarde à se concrétiser, le président de la République a indiqué ce lundi, à l'issue d'un conseil de planification écologique à l'Élysée, que le cadre de ce leasing sera social sera précisé dès le mois de novembre. Nous serons en situation de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. Les pré-réservations pour les véhicules se font à la même période en novembre. Les premières livraisons interviendront en début d'année. Quelques dizaines de milliers de modèles. Mais ce ne sera pas pour l'année 2024 que quelques dizaines de milliers de modèles, mais ce sera l'ouverture de ce gui du guichet de réservation. Ce dernier avait par ailleurs déjà donné un détail d'importance dimanche. On va mettre en place un système qui, à raison de 100 euros par mois, permettra aux ménages d'acheter des voitures produites en Europe. Électriques, donc, des voitures électriques qui vont pouvoir amortir. Avait ainsi détaillé le chef de l'État, le but est clairement ici de ne pas encourager l'achat de véhicules chinois. Sans doute, effectivement, le dispositif doit être ciblé et juste, qui donne accès à des véhicules électriques produits en Europe pour éviter que nous ayons une politique d'accès qui, en quelque sorte, vienne contredire notre politique industrielle. D'ici 2027, le président a fixé un objectif d'au moins 1 million de voitures électriques produites en France. Actuellement, le bonus de 5 000 euros sans condition de revenu peut être augmenté à 7 000 euros. Bon, voilà, ça, on sait déjà. On saura les voitures éligibles au bonus 2024 mi-décembre, ça on sait déjà également. Quant au modèle, bah écoutez, il n'y aura pas de miracle, hein. De toute façon, la Fiat 500 petite batterie, la Twingo, la Spring, la MG4 ne sera pas éligible, ça c'est sûr. Là, ils font leur com là pour l'instant MG, mais ils sont pas éligibles à cette offre officielle, quoi, clairement. Et encore, la Spring, c'est même pas sûr parce qu'elle est même pas produite en Europe au final, donc elle sera même pas éligible. Bon, bah écoutez, on en saura plus dans un peu plus d'un mois. Hein. Affaire à suivre.